Orlando, en Floride, pratiquement à égale distance de la côte est et de la côte ouest, vit l'un des cave divers parmi les plus réputés de tous les États-Unis. Depuis de nombreuses années, Eric Hutchinson, natif de Miami, a choisi pour métier l'exploration des réseaux souterrains noyés les plus difficilement accessibles. Dans son atelier proche de Silver Spring, tout un bric-à-brac de matériel de plongée côtoie ses planches à dessin surchargées de croquis. Le gouvernement américain ne s'est pas trompé sur cet homme orchestre dont il s'est adjoint les services. Hutchinson cumule les fonctions de géologue, de géomètre, de plongeur spéléo et de dessinateur hors pair. Car les dessins au crayon ou à la plume, ou bien les croquis en trois dimensions qu'il exécute d'après les cavités qu'il a soigneusement explorées, sont autant de véritables petits chefs-d'œuvre. Comme chaque jour, depuis bientôt 9 mois, le plongeur cartographe américain revêt sa combinaison de plongée élimée pour partir explorer un peu plus du labyrinthe noyé formé par la rivière Silver qui court pratiquement sous sa maison. C'est la direction du parc national de Silver Spring qui est son commanditaire. Elle veut connaître à tout prix la cartographie de la source de cette rivière souterraine, dont le débit en mètres cubes est l'un des plus importants aux USA. La rivière Silver mérite bien son nom, puisqu'on l'a surnommée ainsi en raison de l'étonnante transparence de ses eaux. En revanche, le travail des plongeurs est particulièrement délicat en raison de l'étroitesse des conduits immergés. La rivière a creusé son lit souterrain dans le calcaire de Floride. Torturé, son parcours dans la roche est un casse-tête pour Eric Hutchinson et pour le plongeur qui l'accompagne chaque fois. Indispensable en effet de plonger à deux, pour des raisons évidentes de sécurité. Tout est réuni ici pour compliquer la tâche des explorateurs. L'impossibilité, bien sûr, de venir respirer en surface en cas de problème. Mais aussi le formidable courant contre lequel il faut lutter en permanence. Et puis toujours ce peu d'espace pour évoluer qui oblige à utiliser la technique du Normand Dive, c'est-à-dire faire passer les bouteilles d'air comprimé et la majeure partie de son matériel devant soi, dans le conduit. Une technique qui ne gêne en rien cet homme habitué à circuler dans ce genre d'environnement hostile à longueur d'année. Depuis le temps, il a su adapter son matériel à ses besoins particuliers. Autre contrainte inhérente à ce style d'exploration, il faut chaque jour refaire le trajet de tout ce qui a déjà été exploré, avant d'atteindre l'inconnu et de poursuivre plus avant. Les deux hommes ont atteint la limite de leur exploration antérieure. Cette salle noyée, où ils viennent d'arriver, doit être étudiée, mesurée et évaluée en tout point. Muni d'une chaîne d'arpenteurs, Hutchinson en prend les mesures très précises avant de relever avec la même minutie la situation géographique. L'Américain retranscrit alors scrupuleusement toutes les mesures sur son ardoise utilisable sous l'eau.
Malgré les conditions de travail, le coup de crayon d'Eric Hutchinson est toujours aussi sûr et précis. Quant à la boussole fixée sur sa planche à dessin, elle permet de se repérer dans l'espace et d'orienter précisément les croquis. Il n'est pas rare qu'une multitude de tunnels aboutisse à une même salle. Dans ce cas, les deux plongeurs se doivent d'explorer chacun d'eux avec la même persévérance. Souvent, il leur est impossible d'aller plus avant, impossible même de pouvoir faire demi-tour dans le boyau, alors il faut nager à reculons. Ailleurs, les eaux de la Silver se trouvent sur leur passage, dans un endroit où le courant n'est pas très fort. Il faut alors attendre que l'eau s'éclaircisse pour continuer l'exploration. Hutchinson essaie depuis des mois d'en savoir un peu plus sur la source de cette étrange rivière. La majeure partie de ce qu'il a exploré se situe à environ 5 mètres de profondeur. Dans la grande salle près de l'entrée, l'Américain a découvert de nombreux vestiges d'animaux préhistoriques, comme cette dent de mastodon, mais aussi de nombreuses pointes de flèches qui témoignent que cet endroit a pu être un lieu de sacrifice pour les Indiens. Malgré les bouteilles d'air dont Eric a balisé l'itinéraire, l'exploration ne peut durer plus de 3 ou 4 heures par jour. Après plus de 100 plongées, Hutchinson a déroulé dans les galeries jusqu'à ce jour inexploré, en direction de la source, plus de 2000 pieds de fil d'Ariane. Il a répertorié et cartographié 3 fois cette distance, si l'on tient compte des galeries cul-de-sac sur lesquelles il a buté. Son travail, mené conjointement avec les biologistes, les géologues et les paléontologues, permettra d'en connaître un peu plus sur l'origine toujours mystérieuse de cette rivière de Floride. Car les spécialistes se perdent encore en conjectures sur son origine. Ils estiment qu'en raison du très important volume d'eau qui circule, la source de la Silver pourrait être un immense réservoir souterrain qui reste à découvrir.